Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau grand rassemblement pour que la paix et l'amour règnent sur cette terre. Vous savez que ce n'est pas une utopie parce que nos pensées, nos prières, nos intentions, tout ça apporte une force importante qui pourra faire pencher la balance du bon côté, du côté de la lumière, du côté de la création, d'un univers et d'un monde merveilleux où il fera bon vivre pour tous. Vous savez que vous êtes tous invités à participer à ce rassemblement, quelles que soient vos croyances. Vous pouvez ainsi méditer, vous recueillir, prier, quelle que soit votre religion. Vous pouvez aussi simplement envoyer de bonnes pensées et de l'amour aux différentes intentions qui vous seront proposées. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin. Je suis spécialiste en médecine naturelle et en soins énergétiques. Je suis par ailleurs auteur et conférencier. Alors merci de votre présence, parce que vous savez combien il est important que nous soyons nombreux pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Et puis merci aussi pour tous vos likes, vos petits pouces, de cliquer sur le petit pouce en l'air sous la vidéo. Merci de toutes ces suggestions, de toutes ces commentaires, et puis de partager cette vidéo au plus grand nombre afin que nous soyons, comme je le disais, de plus en plus nombreux. Voilà, comme... Au cours de ce rassemblement, je vais vous proposer plusieurs intentions de recueillement qui vont être d'abord sur l'humanité, pour nos frères et nos sœurs, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui sont dans le besoin et dans la souffrance. Nous penserons également à nos chers défunts et à ceux qui vont partir, ainsi qu'à nos familles qu'ils ont laissées derrière. Nous penserons particulièrement également à notre planète, la Terre, qui est dans la souffrance, avec tout ce que nous lui infligeons, et puis tous les cataclysmes que nous pouvons voir qui en sont quelque part la résultante. Et puis, nous penserons aussi aux animaux et aux végétaux, sans lesquels nous ne pourrions pas vivre. Voilà donc l'idée que d'aider toutes ces consciences à ouvrir leur esprit et leur ouvrir leur cœur, afin de changer leur manière de voir, leur manière de penser, leur paradigme, et ainsi générer des pensées élevées de compassion, de tolérance, de justice, etc. Voilà, donc... Nous, sans plus attendre, nous allons commencer notre rassemblement proprement dit en vous proposant de vous installer confortablement sur votre siège, dans votre fauteuil, peut-être de fermer les yeux afin de mieux vous concentrer, vous recueillir, vous couper un petit peu des éléments extérieurs qui pourraient venir vous perturber. Vous pouvez faire également de grandes inspirations, de grandes expirations, afin de laisser le calme et la paix entrer en vous. Et puis, nous allons commencer par rappeler les énergies de la Terre, si bienveillantes, les énergies de l'ensemble de l'univers, de toutes les galaxies, les étoiles, les comètes, les planètes, les énergies du monde céleste, les énergies divines, et toutes les autres énergies que nous ne connaissons pas et qui peuvent nous aider dans ce rassemblement. Nous allons appeler également les êtres de lumière, ces êtres merveilleux qui sont toujours là à nos côtés et qui ne demandent qu'à venir nous aider à la seule condition que nous le leur demandions. Alors, appelons-les encore une fois aujourd'hui, tous ces guides, tous ces êtres de lumière, tous ces anges, tous ces archanges, toutes ces hiérarchies, tous ces grands sages, ces grands saints, quelle que soit votre religion. Appelons également le divin d'amour, afin qu'il vienne nous aider dans nos invocations, afin qu'il entende nos prières et y réponde. Toutes ces énergies, tous ces êtres merveilleux, le divin
va venir nous aider dans ce grand rassemblement, mais aussi renforcer nos intentions et aussi nous protéger individuellement et collectivement durant tout ce rassemblement. C'est ainsi que maintenant nous formons un groupe uni, unis dans une pensée commune, entourés d'êtres merveilleux, doués d'un amour inconditionnel à notre égard, et baignant dans la lumière divine. Alors je vais vous laisser un instant le temps pour vous d'apprécier ces présences, cet amour qui vous est envoyé, ces énergies qui sont là pour vous aider et vous renforcer. Observez, appréciez, ressentez. Comme première intention, nous allons demander à ce que ces énergies que nous recevons, ces êtres de lumière, cette lumière divine, descendent sur toute la terre, sur tous les êtres qui la peuplent, les êtres humains, les animaux, les végétaux, toutes les consciences, la terre elle-même. Alors recueillons-nous, mes amis. Merci. Et maintenant, je vous propose de nous recueillir pour tous les êtres humains, toutes ces femmes, tous ces enfants, tous ces hommes qui sont souvent dans la souffrance, dans la difficulté, dans la maladie, la guerre, l'injustice, l'agressivité.
que sais-je. Alors nous allons demander à ce que ces énergies, les êtres de lumière, la lumière divine, descendent sur eux afin de les aider, de les conforter, mais aussi afin qu'ils puissent ouvrir leurs esprits et leurs cœurs pour générer des pensées de justice, d'intégrité, de compassion, de tolérance, afin de générer des relations entre tous les hommes, des relations harmonieuses, des relations humaines, tout simplement. Alors recueillons-nous, mes amis. Merci. Je vous propose maintenant de penser aux défunts, à ces chers défunts qui sont partis, ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas, ceux qui sont partis récemment ou qui sont repartis il y a plus longtemps. Certains ont réussi à rejoindre l'au-delà et continuer leur vie, là-bas, dans la lumière. Mais d'autres ont du mal à trouver le chemin. Ils ont besoin de notre énergie, de nos prières, de notre amour, pour pouvoir avoir la force de rejoindre l'au-delà. Nous allons penser également aux personnes qui sont mortes récemment ou qui sont sur le point de passer sur l'autre rive, afin que ce passage se passe dans la paix et la sérénité. Nous allons penser aussi à tous ces familles qui sont dans la souffrance de la perte d'un être cher, que ce soit récemment ou plus ancien. Alors je vous propose de vous recueillir un instant et d'appeler les énergies, les êtres de lumière, la lumière divine, afin qu'elles descendent sur eux.
Merci. Maintenant, je vous propose de nous concentrer sur notre planète, la Terre. Cette planète merveilleuse qui nous donne à chaque instant, sans que nous n'y prenions garde, toutes les conditions nécessaires pour notre vie et notre évolution. Et pourtant, nous la faisons s'ouvrir. Nous la faisons souffrir par nos actions, la pollution, nos pensées délétères. Et c'est ainsi que sont générés des cataclysmes, des incendies, des inondations, des ouragans. Mais aussi nous allons penser à tous les animaux, à tous les animaux de compagnie, nos chers animaux de compagnie, les animaux d'élevage qui parfois sont dans la souffrance, les animaux sauvages qui souffrent justement de tous ces intempéries et cataclysmes. Nous allons penser aux plantes, aux végétaux, aux arbres, sans lesquels nous ne pourrions pas vivre. Nous allons penser à toutes les consciences qui peuplent cette planète. Nous allons demander à ce que les énergies, les êtres de lumière, la lumière divine, les soutiennent et les purifient. Alors recueillons-nous, mes amis. Merci. Alors avant de terminer ce rassemblement, je vous propose un petit moment de recueillement personnel, durant lequel vous allez pouvoir remercier ces énergies, ces êtres de lumière, ce divin, d'être venu, d'avoir entendu nos prières et d'y accéder. Vous pouvez aussi en profiter pour remerciez le divin pour la vie qu'il vous a donnée. L'honorez si vous le voulez. Alors je vous laisse un instant.
Voilà, mes amis. Ce grand rassemblement est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau grand rassemblement, pour que la paix et l'amour règnent sur cette terre. Vous savez que la semaine prochaine, à cette même heure, se produira un soin énergétique intemporel auquel vous êtes cordialement invités à participer. Et puis en attendant de se revoir, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne YouTube où vous savez qu'il y a une playlist spéciale sur les grands rassemblements que vous pouvez faire et refaire si d'aventure vous en avez raté un ou que vous voulez en refaire parce qu'à chaque fois vous allez renforcer l'effet du groupe qui était là ce jour-là. N'hésitez pas à passer aussi sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram et puis sur mon site où il se passe toujours quelque chose. En attendant, je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée et puis le meilleur dans votre existence.